Bonjour tout le monde. Alors, on continue ce superbe playthrough. On choisit la version française pour la cinquième mission en espérant que ça fonctionne parce qu'on a vu qu'est-ce que ça donnait sur la quatrième mission. Impossible de finir le jeu en français, donc c'est un peu stupide, mais je suppose que ça avait été bien testé tout ça. Et là, j'ai la musique. Ça, c'est la musique de la mort pour la dernière. Le dernier, peut-être, vidéo de ce jeu. Je vais au moins faire deux tentatives, si jamais, parce que de ce que j'ai pu comprendre, c'est une mission extrêmement chiante et punitive. Donc. J'irai pas sur un stage, moi, faire un show de musique. C'est non. J'irai pas chanter comme ça, c'est pas vrai. On dirait pratiquement un chat qui est en train de se faire dépoter. Ouais, il se fait arracher à la peau. Un groupe inconnu de terroristes s'est emparé d'un bunker nucléaire. Un bunker! Donc. Leur pire crainte pourrait devenir réalité si les terroristes réussissaient à accéder au système parfait. Et à lancer. Éliminer toute résistance pour obtenir l'accès total au bunker. Jusque-là, ça me paraissait simple, c'est-à-dire qu'on rentre dans le tas et on mitraille. Parfait. Condamner les sorties alternatives du bunker, donc s'assurer que tout le monde crève. Dégager la voie jusqu'au poste de sécurité, donc on tire dans le tas. Et désactiver le système de lancement, on tire dans le tas. Bref, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura absolument aucun. Je vais pas dire aucune intelligence artificielle, mais absolument aucun otage à sauver cette fois-là. Donc, je peux juste rentrer dans le tas et mitrailler tout le monde. Là, tu t'arrêtes de me dire que... Wow. OK. Hein? OK, ça, c'est mes gars. Ouf. Donc, j'ai ramené... Oh, là, j'ai... Je sais pas si vous voyez, mais mon machine gun est rendu maintenant avec un chargeur C-Mag avec 99 balles à l'intérieur. Donc, j'ai trois gros chargeurs. Donc, ça, c'est fait. On rentre dans le bunker, on rentre dans le tas. C'est ça que ça veut dire. Pas trop ce qui se passe ici. Ça, c'est non. Ça doit virer par là. Mes gars sont là, ils bougent pas. Je suppose que c'est moi qu'il faut qu'ils rentrent dans le tas. C'est fait. On mitraille à fond. Il y en a encore un qui me mitraille. Je sais pas de où. Ils sont là. Les gars ont disparu à moitié. Je recharge. Mes gars, ils s'en viennent pas. Fait que ça a l'air que je vais être tout seul pour faire ça. Ah, ils viennent d'arriver là. Merci beaucoup de votre coup de main, bande d'enculés. Je vais me débrouiller tout seul, c'est ça que ça veut dire. Et bordel. Ça a pas l'air le fun comme. Ah! La musique vient de décoller, c'est génial! Bon, fait que ça c'est fait. Bon, on peut pas aller par là. On peut pas aller par là. On peut pas aller par là. Ok, donc je peux pas ouvrir les portes. Je pense que c'est mes gars qui vont les ouvrir. Parce que ça donne mal au cœur. À regarder ça. Puis si je vais en haut, par exemple, est-ce qu'il y a un petit passage? Non. Non. OK. Génial, tout ça. Je déteste pas ça, moi. On dirait qu'on va les laisser lancer un beau missile. Hein? Il n'y a pas de problème. Puis mes gars qui me donnent pas un coup de main. Ah, oui, j'ai ici. D'accord, on va y aller. Je pense que c'est de là que j'arrive. Ah non. Bonjour. Bon. Là, je rentre un peu en fou parce que c'est censé être ça la mission aussi. De rentrer un peu. Bon. Bon, lui, il continue de courir, non? Oui. Parfait, on va le mitrailler jusqu'à ce qu'il soit mort. Là, il y a plein de pièces avec probablement des ennemis qui ne bougent pas puis qui attendent juste que j'arrive dans chaque cadre de porte, comme ici. Super chic. Quelle sorte de bunker place des barils avec des chaises comme ça sur des tables pliantes virées à l'envers? Sérieux? Ça. Puis, suis-moi, c'est trop clean, ça, comme salle de bain? Bon, OK, ça a l'air dégueulasse, mais
Tu sais, on arrive du fin fond de là-bas. C'est ultra éclairé. Comme, OK. Bon, ben ça c'est clean. Puis là, si j'essaie d'aller là, je pense qu'il y avait ici. Normalement, ça serait ça. Donc, il y a des gars là-bas qui me mitraillent en sachant pas que je suis là. Juste parce que l'intelligence artificielle est un peu cheatée dans le jeu-là. Puis moi, mon gun, ben, comme on voit, ultra efficace. Le sniper, ça ferait longtemps qu'il serait mort, lui-là. Là. Donc, ça c'est fait. M'en aller par la gauche parce que les gars sont à droite. Pour défier toute logique. Bon, là, je suis un peu frippé. Je dirais qu'une petite potion de vie, une petite veste par balle ferait pas de tort. Je la prendrais volontiers. Mais on dirait qu'ils veulent pas m'en donner. Donc, ça, c'est cool. Je suppose que je vais tomber bientôt sur des gars encore. Donc, des gars qui arrivent. Ça. Ah, c'est parce que je t'ai quand même tiré quelques balles, hein, quand même. Là. Donc, il faudrait quand même que ça achève. Là. OK. Donc ça, c'est beau. Comme ça, on continue. Encore une batch, comme ça. On va me pencher. Fait comme ça, il y a juste lui qui me voit, normalement. À moins que l'autre me tire à travers. Je pense qu'il me tire à travers. Je pense que c'était... Puis il me reste juste 53 balles, donc ça, c'est pas cool. Comme résultat. Et, bon, je peux aller là, au moins. Oh, je viens de ramasser des munitions de drum mag, ça, c'est cool. Donc, on continue un peu avec ça. Il va sûrement avoir des ennemis de cachés partout. Et j'ai aucune aide de mon commando parce que c'est ultra important. Il faut pas qu'ils tirent des missiles. Pendant ce temps-là, eux jouent aux cartes. Génial. Je suis perdu totalement. Il y a peut-être... Bon, et voilà. Et voilà, ça y est. Première tentative futile de mission. Ça vient de geler directement sur le coin du niveau, pour aucune raison apparente. Donc, première tentative aujourd'hui ratée de ce playthrough. Donc, on va en partir un deuxième. On va mettre ça back-à-back. Donc, ce sera la deuxième tentative. En fait, ça sera pas plus que deux tentatives de la shot, parce que je m'attends à me faire chier assez beaucoup. Ça se dit même pas à quel point je trouve ça nullissime. Donc, après cette petite transition, on repart avec un deuxième playthrough. Ils ne veulent pas qu'on les prenne vivants. Et on est reparti pour un autre playthrough de ce fabuleux jeu que j'adore et qui me le rend bien en fait. Donc en fait, faut quand même que je dise que là j'ai un G36 avec les 100 balles et là tout ce que j'ai à dire c'est que tu vois mon gars il est vraiment cave. Bravo, je viens de voir ça. Super! En fait, c'est ça, c'est que j'ai l'air d'avoir trois barres de vie, c'est moi, ou un, trois à droite, ou c'est mon nombre de grenades, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que j'aurais pu avoir ce fusil d'assaut-là tout le temps. Puis là, il me le donne juste sa mission finale. Donc, pour qualifier le jeu, pour le déprécier, je commence à être en manque de qualificatifs autres que sale pute. Mais c'est un peu ça. Donc, c'est la qualité de jeu que je peux lui donner, donc sale pute. Là, je t'arrête de me faire mitrailler. Lui, il a pas trop réagi. Là, je comprends pas pourquoi le jeu, des fois, il me fait tirer en full auto, puis des fois, il me fait juste tirer une rafale. Là, il me semble qu'ils sont censés être 4. Donc, il en manque un. Il en manque un. Ça peut pas. Non, j'accepte pas ça. Faut pas être juste de même. Fait qu'il en reste un de cacher quelque part. Ok. Bon, il était peut-être un. Ça, c'est un de mes gars encore. Ok. J'avais pas besoin d'aller à gauche, juste besoin d'aller à droite, il y a un gars de seul. Ça c'est fait. Puis là, faut que j'aille de l'autre côté en face. Puis c'est là que ça continue. OK! On est en business. On est à peu près là où est-ce qu'on était rendu. Ici, il y avait... Bon, un gars. Plusieurs gars. Voilà. Quand je suis en meilleure posture que ma première run. Ça c'est sûr. J'avais été au fond là. Puis ici, il n'y avait rien, puis les toilettes de merde. OK! Donc, on était ici, on avait été là, puis à droite, il y avait deux gars qui étaient là, un là, qui était déjà en train de me mitrailler. Il y a lui là, que ça m'avait pris une éternité à descendre. OK, là, il a juste senti un coup de vent, il est mort. Après ça, je vais arriver au chariot, puis il va y avoir deux gars qui vont arriver, dont un chaque côté. Normalement, ça devrait être ça. Je pourrais en mitrailler un à fond.
parce qu'il n'aura pas le temps de se rendre à moi. Puis après ça, mitrailler l'autre. Waouh, en tirant partout. Faut dire que la fluidité est très ordinaire, ok? Faut se rappeler ça. Puis après ça, j'avance et je m'arrête vers la fin parce qu'il y a encore deux gars qui arrivent comme ça. Et voilà. Donc ça en fait un. Et ça en fait deux. Et ils ont exactement la même arme que moi. Et la dernière fois que je suis venu ici, faut se rappeler que je suis mort dans ce coin-là. C'est un coin meurtrier à la Projet Blair. Donc je vais essayer que ça refasse pas ça en fait. Et ici, ça monte. Il me semble que j'ai tiré beaucoup de balles là, pour. Ah! J'allais commencer à perdre patience en me demandant. Ah, encore. Des fois, c'est ça, c'est que ça tire pas. Ça tire pas comme on veut. On tient la gâchette et non. Bon, ça c'est une autre porte. Fait que ça, normalement, ça devrait être pas pire. J'ai repris des soins ou je sais pas trop. On va aller en haut, on va regarder s'il y a pas des gars qui m'ont pas tiré dessus. Il y a pas de gars qui m'ont pas tiré dessus. Parfait! Je vais pas aller dans ce coin-là, ça c'est un coin meurtrier, ok? Ça fait geler le jeu. T'sais, c'est un peu cave. Ok! On continue par là, je pense que c'est pas mal la seule place où qu'on peut aller. Puis on arrive avec mes gars, hein? Ben oui. Donc une forte résistance, non. Une légère résistance, non. Des couloirs interminables, effectivement. Ok, là je vois rien. La musique vient de décoller encore. Ça là je l'ai eu, ok. Il doit y en avoir un. Quand il y en a un d'un côté, il y en a un de l'autre côté. Ça c'est... Attends mais... Meurs là. Ok. Donc il y a une porte là, donc j'aurai pas le choix d'y aller, semblerait-il. J'ai failli faire bugger le jeu encore une fois. Et il y a rien ici, donc je vais... Faut que j'aille voir pareil, mais ça se peut que le jeu gèle. Si bol. Tu sais, quand t'es pas sûr dans toutes les pièces que tu vas aller, que le jeu va geler, c'est pas... C'est, il me semble que c'est pas un gage de qualité, tout ça. Ok, gauche droite, un gars de chaque bord. Ça, c'est fermé. Ok, ben ça a l'air qu'on a pas le choix, hein? Ça passe pas. Puis il y a un couloir là avec personne dedans pour l'instant. Est-ce que je suis retourné au début? Est-ce que c'est le début? Je suis pas certain, mais ça me donne cette impression que je viens de faire le tour de la map. Puis je viens d'en revenir à l'autre bord. Ah, c'est fermé. D'accord. Donc non, c'était pas là. Là, j'en ai un dans le dos, faut que je retourne, là. Et voilà. J'arrive à me faire déglinguer. Je tire tout croche, évidemment, pour pas me donner de chance. Et il y en a un au fond là-bas. La visée est pas terrible, ok? C'est pour ça que ça revole à peu près partout. Donc, dit de même, ça pourrait être aussi un porno louche. Ok. Donc, encore une autre pièce. Une autre chambre. Avec les toilettes au fond. Pas certain, il me semble. Ça me donne l'impression que j'ai... Non, j'allais dire, j'ai déjà passé, mais non. Ça, c'est un sniper, parfait. En fait, c'est ça, c'est que cette chambre-là, c'était ici qu'il y avait les tables virées à l'envers avec les chaises, donc je sais que je suis pas passé ici, malgré la configuration. Pas certain. Encore ici. Non. Là, j'ai ça là. Ok, non, je rentre pas là, ça sert à rien, il faut que j'aille en haut. Ok. Un autre gars. J'aime ça, le cadavre, il reste roux. Tiens! Ah. Une chambre ici. J'arrive à me faire mitrailler par lui. Avec un shotgun que j'ai pas le droit de prendre, bien sûr. Ok, donc ils ont mis ça, fait que là faut que je cours, j'ai 9 minutes pour me rendre là-bas. J'ai aucune idée exactement c'est où, mais ça a l'air qu'il faut que j'y aille. Fait que, ça doit pas être ça là. Ok, où est-ce que je vais?
Ah, ça donne mal au cœur. Donc, j'ai plus beaucoup de vie. Là, j'étais à 0 de 2. Donc, d'après moi, je vais mourir. Je pensais que c'était peut-être des vestes ou je sais pas trop quoi, mais je pense que finalement, ça ne sera pas le cas. Donc, malheureusement, je vais mourir maintenant. Donc, c'est ça. Les gars sont là. Donc, ça en fait un. S'il me donne pas de veste, là, ça. Ça sert à rien qu'on en parle. Ah merde! Non, faut qu'il meure, faut qu'il meure, faut qu'il meure, faut qu'il meure. Il y a une veste juste là, là. Juste là, là. Oui! Ça s'est réussi. Là, je. Ben voyons. Ça mitraille de où, là? Ok, ok, là! Ça a l'air que c'était des headshots. Il y en a un en haut. Genre de sniper. Mais crève! Ok, c'est fait. J'ai pas le choix. Il faut que je cours un peu, mais en même temps, je peux pas. Fait que c'est un peu weird comme situation. Puis ça sert à rien de venir là pour des balles. Ok, on va prendre des balles quand même. La petite musique qui vient d'embarquer, genre pas la bonne musique. Non, non, faut que je te crève. Ok, ça c'est fait, il y en a un autre là. On le mitraille dans les jambes jusqu'au temps qu'il tombe par terre. On le coupe. On le coupe en deux. Donc ça c'est fait. Pas d'autres gars pour l'instant. Super grosse pièce. Il y en a là. Wow, wow, wow! Mais il y en a partout! Donc ça c'est fait, il y en a un là. La pression, voyons. Où je me fais mitrailler? Où je me fais mitrailler? Là. Je mitraille complètement à côté. On n'a pas le temps pour ça. Pas compliqué. Je sais même pas où ce que je vois. Il y a un conteneur là, ça devait être un spawn point. Là, je suis en train d'aller me foutre dans la merde encore. Il me reste 5 minutes. Lui, oui. C'est ça qui est ça. Ok. Est-ce qu'il y a une porte en haut que j'ai manqué? Qui m'amène vers un autre bloc? J'ai pas le choix de faire le tour pareil et d'essayer de voir. Parce que j'ai aucune idée puis il me donne pas l'indication. Donc là je viens de descendre beaucoup de personnes, beaucoup d'humains. Et semblerait-il que ça a servi strictement à rien de venir ici. Parce que c'est ça, il n'y a pas de porte. Ça mène nulle part. Puis il n'y a pas de bombe. Donc ah ici! Eh ben! Y a-t-il encore un ou deux gars là-dedans? En caché? Sur les côtés? Petite surprise sur le side? Non. Petite surprise? Non. On continue un peu. Les toilettes, personne dedans. On va continuer par là, je pense que. J'ai pas le choix. Faut que je tente ma chance. Vu que j'ai aucune idée où ce que je vais. Il y a une porte là, mais je peux pas l'ouvrir. Je continue à tourner en rond. Ça sort là. On l'essaye. Je retourne dans d'autres toilettes, c'est peut-être la même place. Ouais, je pense que c'est la même place. Je pense que je viens de tourner en rond comme un cave. Est-ce que c'est ça que je viens de faire, là? Ah, oh, merde! Merde! Ok. Donc ça, c'est pas là. Mais je peux pas aller là. Puis là, j'ai fait le tour de ça. Alors, c'est sûr que c'est dans le milieu de ça. Là. C'est sûr, 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 sûr. C'est sûr. Ils ont pas le choix. Ils veulent pas ouvrir ça. Rouvre cette putain de porte de merde. Merde. Ah, c'est vraiment des enfoirés.
Fait que là, je sais pas comment arrêter tout ça. Je suis pas un expert en informatique, moi, là. C'est comme... Oh, non, c'est pas la même place. Attends un peu. Non. Tantôt, j'ai tourné en rond, mais je suis pas sorti à la même place. Je perds du temps, le temps file. J'ai l'impression que je suis encore en train de faire le tour, mais... Ça, c'est pareil. Mais il me semble qu'ici, c'est ça, il n'y a pas la plaque à terre. Ah ah! Et voilà. J'ai aucune idée de ce que je fais en fait, mais comme je peux pas sortir de la pièce, puis que j'ai aucune idée, ah ici. Eh ben. On va finir par l'avoir. Recharge en laissant le chargeur là. Ça! Bon, ben ça a l'air que ça sert à rien. Cool! Cool! Il y avait deux switches, j'en ai activé une sur deux. Ah, ça c'est bien ça. Où est l'autre? Où est l'autre putain de switch? Allez chier. Il me reste 1 minute 33, c'est sûr et certain que je serai pas capable. Là. Avec des gars qui me mitraillent de partout, tu sais. Mais cette idée de mettre des switches à l'autre bout du monde. Oubliez ça. 1 minute 12, je l'aurai pas. Je viens courir littéralement sur la rampe. Je sais même pas par où je suis arrivé. Ça va vraiment pas bien. Ok, lui il est mort, mais il reste debout de même. Secondes avant la mort. Il y en a encore un qui me tire dessus, je sais même pas de où. J'entends juste des ping, ping. Pas de veste, pas rien. Puis ça, je pense que j'arrivais de là, mais non. Je sais même pas d'où j'arrivais. Ici. J'arrivais de là, puis il n'y a pas de switch nulle part. Donc, je m'attends à ce que logiquement, il devait avoir une switch dans l'autre endroit. Où est-ce que c'était rouge? Et voilà. Superbe musique intéressante. Qui me donne quasiment l'impression que j'ai fini le jeu. Donc, comment? Je savais qu'il allait avoir un timer. C'était évident qu'elle allait nous faire chier avec une affaire comme ça. Donc, il faut connaître le niveau par cœur. Et là, j'ai trouvé une switch très très loin de où est-ce que le timer a commencé. Et j'ai l'impression que l'autre est exactement la même configuration. C'est un labyrinthe. Et en plus de ça, les pièces sont pratiquement la même chose, avec les mêmes textures, évidemment, qui donne l'impression que tu as déjà passé. Donc, deuxième tentative faite pour aujourd'hui. Donc, ça se termine. Je ne vais pas plus loin. Donc, il va y avoir assurément donc une autre partie pour tenter de se le finaliser. Tu sais, la dernière partie est pas... Je pense qu'elle n'est pas si difficile que ça. Il faut juste comme arrêter le missile. Je pense que ça fait le travail. Mais mes gars qui m'aident pas pantoute, ça, je trouve ça un peu ordinaire quand même, l'intelligence artificielle, de demeurer mentale. Et foncer dans le tas, ben, ça fonctionne presque, comme on a vu. Donc, sur ce, ben, on se dit à la prochaine pour la suite de ce playthrough de GIGN Anti-Terror Force. Bye-bye.